Salut les amis, aujourd'hui je vous invite à me suivre dans un petit ruisseau en plein milieu de la forêt. La stratégie de pêche aujourd'hui pour pêcher la truite, ce sera vraiment de pêcher tout ce qui est courant, contre-courant, les fosses, les branches d'arbres, les racines. On va essayer de faire un maximum de poissons, c'est du poisson de petite taille. Et alors je vous invite à rester jusque la fin, parce qu'à la fin, on va pêcher un spot que je veux pêcher depuis des années. Et à chaque fois j'oublie de le faire, cette année-ci, on va le faire ensemble. Allez, c'est parti! Oh non, une belle petite truite. Je suis pas assez plombé, je suis pas plombé comme il faut. Hop. Là, on passe bien. Elle m'a pris juste à la sortie. Poisson. En plus, elle est super belle. Voilà les amis, la première truite du ruisseau. Je suis super content. Elle est venue taper une première fois, je la rate. Deuxième fois, je la prends. Vraiment en sortie de courant. Donc ça annonce un bon début pour le petit ruisseau. Là, on arrive dans un beau coin avec une grosse fosse ici, juste en dessous de l'arbre. On va essayer de se le faire. Trop court. Là, on est bien là. Décro. On avait une. J'ai fait une belle dérive. Une belle dérive, je décroche le poisson. Poisson, oh oui, petite chandelle. Oh, chandelle deux fois. Yes, 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 yes. Allez, non, viens ici, voilà. Oh, dans le gadou là, c'est pas facile. Un super beau poisson encore, du ruisseau. Franchement, super beau. On se mouille bien la main.
une belle truite du ruisseau. Donc voilà les amis, ici j'en profite un peu de faire une petite pause pour reposer le dos, boire un petit coup et de vous parler aussi du partenaire de la chaîne qui est crazypêche.fr. Crazypêche.fr est un magasin en ligne où vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin pour la pêche et avec le code promo CUVELFISHING10, vous avez vos 10%. Allez, c'est parti, on continue. Oh, belle, belle, une belle les gars. Oui, celle-là est belle. Elle vient ici. Oh oui, beau poisson, super poisson. Regardez-moi ça, la beauté du poisson. Juste piqué en bord de lèvre, hameçon sans ardillon. Mais ça repart. Yes. Voilà les amis, on arrive à la fin du parcours. Et ici, il y a le fameux tunnel. Un tunnel où je n'ai pas pied, il y a plus de 2 mètres d'eau à mon avis. Donc, je vais essayer de pêcher ce tunnel pour voir s'il n'y a pas la légendaire grosse du tunnel. J'ai changé de technique, donc je suis passé sur un bouchon avec un demi-verre canadien, donc on n'est plus au petit verre de terreau, on est vraiment sur un montage un peu plus gros, avec un hameçon un petit peu plus gros, pour voir s'il ne se cache pas, à l'intérieur du tunnel, la truite de ma vie. C'est parti, let's go! Donc les gars, on est venu de là-haut, on a tout descendu, on est arrivé ici, c'est juste incroyable. La beauté des lieux, un peu sale, parce que les gens sont des cochons, mais... ça pourrait être tellement beau. Donc je vais m'aventurer dans le tunnel pour essayer d'y pêcher. C'est un truc de malade. Moi je pensais que on avait 2 mètres de fond partout. Eh bien non. Truc de fou. Au fait, il y a juste un trou d'eau là à l'entrée. Wow, non, il y a un trou d'eau ici aussi. Je vois rien du tout. Je vois rien du tout. On pêche carrément sous terre. Je vais refaire une dérive. C'est un truc de fou.
Bon, j'abandonne. Bon, je suis un peu déçu du tunnel. Je pensais vraiment qu'on avait 2 mètres d'eau partout, du début jusqu'à la fin. Et au fait, on a juste que 2 mètres d'eau sur les 5 derniers mètres. Donc voilà, un mythe un peu caché, un peu gâché, mais on l'aura fait. Belle truite. Oh, oh oui. Elle a été s'accrocher. Ah. Ça c'est une belle, c'est la plus belle de la journée les amis. Ça c'est un beau poisson. Un très très beau poisson pour le ruisseau. Super poisson. On lui dit au revoir. Ciao. Voilà les amis, j'en profite de tomber sur ce genre de découverte où le castor s'en est donné à cœur joie pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusque la fin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, ça me aide à monter dans le référencement et d'évoluer encore sur la chaîne. Donc je vous dis au week-end prochain. Ciao.